Let's go, pal. Salut les viewers, c'est Marcus Bonus. Et bienvenue à la Playroom, c'est l'épisode de Fallout 4. Donc chers amis, on va aller continuer les quêtes donc, que nous donne le gamin alors qu'on habille en Silver Shroud. Il est juste dommage que la mitraillette qu'il nous donne soit vraiment naze, hein, tout simplement. Hein. C'est vraiment une arme pathétique. Mais j'ose croire que la mienne ne serait pas aussi bonne s'il n'y avait pas les dégâts explosifs dessus. C'est là qu'est le problème en fait, chers amis. Donc faut voir si on peut pas encore une fois l'améliorer. L'améliorer. Tueur de Fae Lobez dans l'enfer mécanique dont il n'aurait jamais dû s'échapper. D'accord. Certes, mon impétueux compagnon, mais ne laissons pas ces engeances cybernétiques nous faire oublier l'essentiel. Fae Lobez nous a révélé une information capitale. Alors. Tu as raison. Où sont-ils? Où est-il? Quelqu'un tire les ficelles en secret. Mais qui? Ma très chère maîtresse du Nous avons déjà passé en revue tous les criminels de Boston dans notre long combat. Pourquoi contre vous jouez tous les héros? Mais je joue pas les héros, je suis un héros. Oh, j'ai level up. Assurément. Hop. Mais quel malfaiteur patenté. Qu'est-ce qu'on peut mettre comme point quelque part? Alors, n'a jamais se faire injecter, c'est pas ce qui m'intéresse. Vous savez rien de rien. Rien du tout. Moi je sais, et je veux bien vous le dire. Par les sombres ruelles des quartiers sud, la tête d'un robot tueur fonctionne encore. Ouais, je sens plus mes jambes, mais j'imagine que c'est normal. Qu'elles soient à l'autre. Hop, on va mettre là, c'est pas grave. Mais j'ai encore mon synthétiseur vocal, Silver Shroud, et je compte bien m'en servir pour te dire où retrouver le grand. Classé. Quelle est cette Good neighbor. Condition dont tu parles? Je t'embarque ma tête avec toi. Quelqu'un comme ça, je pourrais voir ce sale type prendre son dernier souffle. Qu'est-ce qu'il a fait? Ah mince, c'est une colonie qui est en danger. Ah zut. Merci. Qui a besoin d'un père qui envoie ses enfants à la mort? Ok. Silver Shroud. Oh, reviens, je m'amuse bien. Ok. Il n'y a pas de mensonge dans les paroles de cette crapule robotisée. Puis-je... Utilisez ta lame de basse-tête pour détacher la tête de ce robot tueur du reste de son corps. Ok. C'est ici. Oui, vas-y. On va prendre ça. Ah, enfin libre. Merci, poupée. On m'a dit halte là. Allez, parle maintenant. Qui est ton créateur? Le marionnettiste morbide qui tient les cellules cybernétiques? Engeance robotique, j'ai cru. Décapité. Hein? Alors. Qu'est-ce que... C'est à moi, Hop, non, des grenades. Tu voudras, automate de malheur. Putain. Allons-y. J'y vois rien. But. Bonne manière de faire bouillonner mon liquide de refroidissement. Qu'est-ce que c'est que cette radio? Mirador déserté. Voilà qui devrait faciliter notre infiltration dans l'entrepôt. Poche de sang. Certes. Chef Hat. La oh la gueule. Regarde un peu cette attente dans le froc. Je n'avais jamais rien vu. Bon, je vais finir par bourrer les gens. Des robots. Des dizaines. Vous avez drôle de goût. Des dizaines de robots. De toutes les formes, okay. De toutes les tailles. Et là, voilà. Sur la scène, ça y est. Leur maître. Un autre robot. Non, c'est un homme. Un humain dans un costume de robot. Ok, donne-moi tes cartouches. Les robots ont des oreilles ultra sensibles. Il y a quelque chose dans les parages. Non! Il en reste plus. T'as ma propre grenade, quoi. J'ai eu? J'ai eu. Cool. Nous sommes à l'aube d'une nouvelle ère. Le règne de la vermine humaine okay. Dévore les entrailles de la grande et belle Boston n'a que trop duré. Vous devez être Kendra. On m'a parlé de vous et de votre déguisement débile.
C'est vous qui avez tué Wayne? Oui, c'est moi. Vous ne savez vraiment pas où vous avez mis les pieds. J'adore quand le petit moucheron vient se prendre tout seul dans la toile de l'araignée. Moucheron, parlez comme Silver Shroud. Le règne de terreur s'arrête ici. Fripouille. Vous m'avez volé ma réplique. Je vais pencher la mort de Wayne. La révolution aura lieu ce soir, ma précieuse. Bon, déjà, bouffe ça. Voilà. Contrat, Shelly Tyler. What the fuck? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Vous le saurez en écoutant le prochain épisode, les aventures palpitantes de Silver Shroud. J'ai loupé peut-être. Contrat, Shelly Tyler. Une filiale du groupe Galaxy News Network. C'est simplement une quête. Bizarre. Quand les criminels envahissent les rues de Boston, un justicier la drogue partout, par contre, hein. Sort de l'ombre pour protéger les innocents et faire régner la justice. Cet ange gardien s'appelle Silver Shroud. Ah, j'aime bien, c'est épique comme truc derrière. Boisson rafraîchissante. Wow. Nous voilà ligotés et pendus au-dessus d'une fosse enflammée. Voilà qui me rappelle nos aventures. On laisse la carte. L'écorcheur de Chelsea. À toi, maîtresse du mystère. Tout à fait. Inébranlable Silver Shroud. Alors, Shelly, machin, elle est où? Défigurée, n'arrivait même pas à la cheville du maître du mal qu'est le mécaniste. Maître du mal, moi? Détrompez-vous. Faut pas se déplacer d'ici, j'imagine. Ce que vous appelez le mal est en réalité le chemin de l'illumination. Moi, et moi seul, le mécaniste, suis capable de saisir toute l'étendue de la folie humaine. La chair est faible. Le futur du Massachusetts s'écrira en lettres d'acier. Alors. Moi, j'aimerais aller tuer la fameuse Shelly. J'aimerais comprendre qui c'est. Seul futur qui t'attend, le mécaniste, c'est un très libérez votre esprit, d'accord. C'est une référence à Matrix, pure et dure. C'est une grosse référence à Matrix. Vraiment très étrange. Je connais le kung-fu, chers amis. Arrête d'essayer de me frapper, frappe-moi. Wow! Par contre, ce serait cool de pas m'envoyer dans les radiations. Jeu de merde. Hey! Non mais, Nick! Nick! Voilà ce que j'ai. 2 secondes, merci. On voit bien que je porte un petit peu trop de choses. Pourquoi j'ai pas l'armure de... Ah oui, d'accord. Je suis trop con. Tiens, je donne mes côtes de chien, mes chips... Ah, t'es déjà full. Merde. Kenigou! Kenigou! Viens là! Par ici! Hop! J'aimerais que tu portes 2-3 trucs parce que je suis un peu. Chargé. Mes côtes de chien, mes chips, mes mantas, mon psychojet, ma poche de sang, mon medix, mon jet. Putain, ça fait. En fait, j'ai 20 trop. Ah, oh, c'est violent. Ça aussi, oui, c'est vrai que ça me sert à rien pour l'instant. Au niveau des tenues, est-ce que j'ai des choses en trop? Non plus. C'est génial. Enfin, si, j'ai l'armure de Grognac. Qui pèse rien. La hache. Bah, je te donne la hache, puis on va se démerder sans ça. Et la mitraillette en argent. Et c'est bon. Ok. Y a un truc que je direction me suis l'est. Demandé avec les mutants. C'est quoi les sacs de bidoche? Sérieusement, qu'est-ce qu'ils peuvent bien en foutre? Vous me suivez ou pas? Kenigou? Putain, vous voyez le chien ou pas? Bon, ils vont peut-être se TP.
What the fuck? C'est un rat de scorpion? What? What? Oh, le sac! Oh bah tu te l'es bouffé en pleine narine celle-là. Putain, mais... Le pire, c'est qu'il régène. Alors, c'est tôt. Boum. Ménage est fait. Dégage. Ça, c'est fait. Ça serait peut-être intéressant dans un sens. Comme arme, je veux dire. Il a fait des morts en tout cas. Rat scorpion légendaire. Manquait plus que ça maintenant. On tombe sur ce genre de choses. Je déteste ces saloperies. Je les déteste. Oh là, par contre, il y a un point de TP. Pas grand chose là-dedans. Je sais pas à quoi c'est censé correspondre en fait ces endroits, mais bon, on cherchera ça une autre fois. Je crois qu'on dirait qu'on n'est pas seul. Alors, apparemment, il y a un rat de scorpion dans le. Putain de bestiole. Putain. Mais tu vas me lâcher, oui? Putain, mais il est solide! Nous embêterons plus voilà! On y va! Je crois qu'on n'est pas seul. Mouche bouffie noire. Hop! Yo! What's up? Hop, ça c'est fait! J'ai bien pété la gueule aux mouches de cette manière, c'est vraiment génial. 70 mètres. C'est un campement. Donc, ça pue du cul. Terrain d'entraînement de la... C'est quoi ça? N'attendez pas à ce que ce soit des ghouls, en fait. Et sans transpirer une goutte. Remarquez, c'est pas comme si c'était possible. Il y a un robot. Quelqu'un approche. Aucun individu hostile est détecté. On parle pour toi. Où est-ce qu'elle est? Ok. Alerte. Il est conseillé aux non-combattants de quitter la zone. Inspection de sécurité en cours. Risque d'emploi de la force létale. Si on peut le toucher comme ça, c'est pas plus mal. Je sais pas ce que c'était, mais ça a filé. Non, on peut pas le toucher à travers pourtant. Enfin, on peut le toucher quand ça sort. Mais pour ce qui est du reste, on peut pas. Il y a un vertiptère qui a été craché par contre. Arsenal de la garde nationale, d'accord, c'est là-dedans qu'il faudra rentrer. Je présume. Non, même pas. C'est marrant ça. Ah, par contre, il y a l'air d'y avoir un câble. Donc, s'il y a un câble, souvent, c'est qu'on peut monter. Enfin, c'est qu'on peut pirater, pardon. Ok. Donc, apparemment, c'est pas ici qu'on pourra pirater. Hein. Ouais. J'avoue, j'aime pas ça. Parce qu'on est dans une zone qui risque d'être un petit peu haute. Poursuite de l'inspection du périmètre. Niveau level. Et du coup, on risque d'en chier. Mais pour l'instant, c'est pas grave. C'est pas grave. Je fais une sauvegarde rapide. Je vais faire une grosse sauvegarde si on n'a pas le niveau. On s'enfuira.
Cordialement, Marcus Bonus. Voilà. Génial. Oula. Oh là là. Elles sont intouchables. Parfait, et de une. Et de deux. Et de trois. Et de 4, une goule. On va essayer de lui dire bonjour quand même. Des geeks. C'était pas ça, je suis vexé. Péril. C'est pas ça non plus. Gate. Non plus. Bon. Wolves. Ça y est. Commande de la porte de sécurité. Ouvrir la porte. C'est pas cette arme là que je voulais utiliser, c'était plus celle là. Il y a une armure. Par contre ouais, on a clairement pas ce qu'il faut. On a un gros problème, c'est qu'on a pas assez d'espace sur nous. Elles sont vraiment intuables en fait tant qu'on n'est pas... Scotch de qualité militaire, pourquoi pas. Oh, c'est une X01, génial. Hop, une pile. Et on rentre dedans. Une X01, génial, on va pouvoir gagner de l'espace dans notre inventaire en plus. Hop. Y'a pas de casque, merde. Je pensais qu'elle était complète l'espace d'un instant. Bon bah on y va, alors ça me monte mon inventaire à combien? Ça me le monte pas. Un protectron. Et alors, tu n'as pas de boue? C'est stupide. Ok. Ok. Boîte à outils déverrouillée novice. Voilà. Non. Voilà. Parfait. Ouais. Par contre, toi tu m'intrigues. Pourquoi t'as pas été déclenché? Bizarre. Il y a plusieurs robots qui sont enfermés. C'est étrange. C'est étrange, c'est étrange. Cependant, avant d'aller plus loin, chers amis, je pense qu'on va aller ranger nos affaires à Sanctuary. Oula. Bonne manière de faire. Oh putain. Mon liquide de refroidissement. Quelle violence. C'est la porte qui s'est ouverte. Ouais, j'aurais dû m'en douter. Putain, oui, quand je suis rentré là-dedans et que j'ai déclenché le truc, ça a déclenché cette porte-là. Ok, je capte. Je vois ce que tu veux me dire, jeu. Bon, de toute façon, on a découvert le point. Voilà. Du coup, on pourra s'y re-téléporter ensuite. Mais là, on est vraiment full de chez full. Et c'est pas bon. Donc... Ouais bah personnellement je suis pas fan des armes de fortune, elles étaient stylées sur le principe mais disons que j'aurais préféré qu'on puisse vraiment faire ce qu'il faut. Avec. Atelier de transfert. Hop, on y met tout. Parfait. Kenigou, où es-tu? Bon, je vais me garer. Hop.
Vous savez quoi? Alors, où est-il? Là, le voilà. Can you go? Hey. Venez ici. Viens là. Un sanctuary paré pour l'avenir. Alors, tout prendre. Oui. Est-ce que j'ai encore les trucs que tiens, en fait. On va faire les deux en même temps, c'est pas grave. On est juste à côté. Hop, tout prendre. Je vais quand même te donner quelques armes maintenant. Vous cherchez quelque chose? Ah, puis j'ai pris le bandana aussi à Kanigou, fait chier. Je te donne le pistolet laser, le minigun, la mitraillette, une planche, un pistolet à plasma, une carabine de combat. Hop. Je donne ça aussi, ça aussi. Voilà. Bon, maintenant je vais aller scratcher des trucs pour récupérer un petit peu quelques quelques vis surtout, apparemment c'est surtout les vis qui m'intéressent moi, en tout cas pour le moment. Elle est où la hache? Elle est où la hache? La hache de Grognac? Elle est bien là pourtant. Elle devrait être là. Oh, je suis vexé, on peut pas l'améliorer? Oh, c'est nul. C'est nul, c'est nul. Ah non, là c'est vraiment stupide si on peut pas l'améliorer la hache. Parce qu'elle prend de la place et elle est, enfin ça me trouve le cul moi. Elle était vachement cool cette arme. Par contre ouais niveau hop. Ah, je suis déçu. Je suis franchement déçu, chers amis. Merde, j'ai mis le Silver Sword Hat. Que j'aurais... que normalement je devrais avoir d'équipé. Qu'est-ce que j'ai sur moi alors? Bizarre. Je sais pas ce que j'ai mis, mais vous me direz dans les commentaires. Vraiment bizarre. Je sais pas, je me suis pas rendu compte de ce que j'ai mis. C'est vrai que j'ai pas le chapeau de. J'aurais peut-être dû le mettre, c'est vrai. Hop. Voilà. Au niveau de l'armure. Ah, il me faut le rang d'armurier, c'est vrai, j'aurais peut-être dû le prendre, c'est vrai, c'est peut-être de ma faute. Bon, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. On peut pas faire toutes les armes qu'on veut, ça c'est chiant par contre. Stars and Stripes, bandana. Toi t'es là, toi. Viens là, attention. Grand chose chez Voltaic. Échanger. Tiens, je te rends ton bandana. Et tu me l'équipes, s'il te plaît. Juste parfait. M'assurer que tout le monde. Alors, T51, X01. X01, j'ai un plastron et une jambière droite. Ah merde. Merde, 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 il me manque une jambière et le casque. Fait chier. Bon, reconnaissons-le, celle-là elle est moche. Hein. Alors, on va peut-être changer un petit peu le. La peinture du coup. Est-ce qu'on a ce qu'il faut? Oui. Vous on va mettre une peinture militaire, ça va être bien mieux. Les tant que c'est pas du. Du comment du camou. Du camouflage. Du camo, comme ça on dirait. Ok.
Ok. Bon, elle est pas moche. Elle a un verre classique, quoi. Ok, bah c'est pas grave. On y va. Normalement, elle devrait augmenter notre force qui nous permettrait de porter plus de choses. Donc on va essayer de la porter. Juste pour voir, on monte à combien niveau force? 322, c'est pas des masses. Hein. La situation gagner 2 points, je commence crois. À s'améliorer. Génial. Ok. Je le sens. Bon, carte. Terrain d'entraînement. Alors. Oh. C'est stylé quand on arrive par devant. Maintenant, fini de rire. Quand on s'en sort. Ok. J'arrive de voir le Vertibird. Enfin, le Vertiptère, pardon. J'avoue, j'ai pris l'armure aussi un petit peu parce que... Hop. Aussi un petit peu parce que j'aime bien, s'il y a un minigun, j'aimerais bien le prendre. Je l'avoue. Mais elles sont pas aussi efficaces que ce que j'avais cru. C'est vraiment dommage. Aïe. Putain. Je déteste les mines. Alors. Quelqu'un une légendaire en plus, génial. Aïe. Mais dégage. J'aime pas celles qui ont des armures. Ça, c'était vraiment couillon. Des gens très dangereux pourraient arriver d'une minute à l'autre. Il ne faut pas rester ici. Quoi? Je ne vous connais pas. S'il vous plaît, laissez-moi. Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? C'est bête, vous commencez à devenir copains. Pardon. Je ne vous connais pas. S'il vous plaît, laissez-moi. What? Je vous en prie, n'approchez pas. Qu'est-ce qu'il y a? Je ne vous connais pas. S'il vous plaît, laissez-moi. Gah! Je ne vous connais pas. S'il vous plaît, laissez-moi. Bon, bah, je vais aller voir si c'est un personnage important, parce que là, celle-là, je comprends pas. J'ai l'impression qu'elle est buggée. Heureux, chers amis. Donc, alors, il semblerait qu'elle soit pas importante. C'est juste une façon de... Comment dire? De faire en sorte d'être mauvais ou gentil, en fait, entre guillemets. Donc, C'est bon. Donc, bon. J'ai pas l'intention de la tuer personnellement. Parce que d'une, je vais pas suivre le. Enfin, ce que me demande de faire un assassin, quoi. Enfin, vous comprenez la chose, quoi. La patrouille perdue. Chevalier Asseline. Oh. Écoutez le Loband. What? Vous êtes qui, vous? Alors, au Loband du chevalier Asseline. Chevalier Tara Asselin, matricule 3431. Unité de reconnaissance 429, alpha de la confrérie de la Cie. Ça fait 3 heures que j'ai activé mon émetteur de détresse, mais aucune nouvelle du paladin ni de Faris. Leur objectif était la station satellite sur la côte. Ils sont peut-être hors de portée. D'accord. J'ai ordre de tenir cette position à tout prix, mais tout le secteur a été submergé par l'ennemi. La porte ne tiendra pas longtemps. Paladin Brandis. Été un honneur de vous servir. Oh, faut pas partir mourante comme ça. Enfin, faut pas partir genre, on va mourir. Ce serait mis sur un point en hauteur. Oh, un coffre. J'ai bien fait de chercher.
Canette. Ah si, je cherche les canettes. Exact. Hop. Déverrouillé, avancé. Intéressant. Hop. Joli. Ok. Mot de passe de l'officier. Ça m'intéresse pas, je le trouverai tout seul. Oula. C'est passé un truc là. Là aussi, c'est repassé un truc. Je prends tous les ventilateurs. Hein. C'est d'une violence. Oh, génial. Alors, qu'est-ce qui reste finalement? Bah, nique, franchement. Ok. Bon, je présume que comme elle a dit qu'il allait y avoir des gens qui pouvaient venir d'une minute à l'autre, on va se faire attaquer, donc je peux sortir l'arme, elle est rechargée. On va bien voir. Ah non. Tiens, c'est marrant. J'aurais cru pourtant. J'aurais cru. Bon, baladons-nous un petit peu alors. Ah, alors attendez, il y a un signal radio de détresse. Donc on va pas tout faire en même temps parce que sinon on va être baisé. Sans vouloir être vulgaire, hein, mais c'est le cas. Hein. C'était quoi la suite de la truc de Shroud? Faut que je retourne à Good Neighbor. C'est parti trop loin, effectivement. Good Neighbor. Ah. Hancock veut rencontrer personnellement notre héros, Silver Shroud. Quelle que soit la raison de cette demande, prudence, Silver. Nous sommes tous avec vous. Galaxy. Prudence. Hein? Mais il est... C'est con, parce que... Comment qu'il s'appelle il est assez loin, Hancock, maintenant. Libérez votre esprit, deuxième fois. Oh là là, on n'arrête pas de l'avoir, celui-là. Est-ce que ça veut dire qu'ils sont de nouveau accessibles? J'en sais rien, on ira voir ça aussi. On verra bien. Hein. On verra bien. Alors. Ah oui, il y a la défense de la colonie aussi, putain. Qu'est-ce que j'en ai à foutre de la colonie? Oh, les systèmes ont hâte d'enregistrer de nouvelles. Ah, sécurité. Ce voyage est une expérience très enrichissante. Cool. Vous avez besoin de moi, monsieur. Et donc là. Hé, hey, Hancock. Tiens, vous revoilà. On repart alors? Non. Bah. Yep. Je suis pas habillé en... Ah, je suis en armure, peu peut-être. De gens qui seraient prêts à voyager avec une goule. Hop. Yo. Même une goule aussi. Excuse-moi, tu es fin. Que moi. Belle armure, hein. Hancock. Tiens, vous revoilà. On repart alors? Ah non, me dis pas qu'elle est buggée. Me dis pas qu'elle est buggée, non. Tiens, vous revoilà. On repart alors? Merde. Ça vous intéresse toujours qu'on voyage ensemble? Ma vie actuelle. Merde. Merde. Il y aurait une référence au Roi Lion. Vous savez le symbole qui est sur le mur dans le Roi Lion? C'est marrant. Merde.
Alors la quête est buggée. La même situation que le Commonwealth. Oh, fait chier. Faudra que je m'y renseigne alors. Faudra que je me renseigne là-dessus. Pas de chier. Bon bah du coup on va aller défendre l'autre putain de... Sanctuary. Bon, c'est pas grave. Northern machin là. Où c'est que c'est? C'est là. Ah oui, c'est le truc à la plage. Bah, j'espère que ça va pas être trop dur. Hop. Alors. Hey. Oh putain. Il y a quelque chose dans les parages. On va venir nous emmerder. Il y avait deux mecs en armure quand même. Hein. Ouais, pas mal. T'en as pas marre. Vous voulez pas filer gentiment, non? Ils l'ont eu. Beau travail. Hop, je l'ai eu. C'est bon ? Ok, cool. Bah, ils ont pris cher quand même, hein. De rien, de rien. Vu qu'ils m'ont remercié gentiment. Alors, ça c'est fait. Gars, ça m'embête, parce que j'aurais bien aimé finir les deux trucs en même temps. Il y avait ça qui était pas trop loin normalement aussi, non? Ah si, c'était vachement au nord. Ah bah attendez, on va aller voir, on peut peut-être le faire. Alors. Ah bah c'est là qu'il y a eu une chier d'écorcheur de toute façon. Oula. Il y a eu un drôle de bruit aussi encore là. Je recherche mon arme à énergie, ce serait cool. Voilà. Putain, les balles descendent vite. J'aurais peut-être dû mettre un point dans le truc à balles. J'imagine que c'est juste là. Et y'a personne, tu te fous de ma gueule. Calmos. Tiens maman. Je suis pas méchant. Oh, elle le recouvre. Calmos maman. 3 mètres pétris de muscles et de haine. Les écorcheurs font passer tout le reste pour des jouets de gamins. Qu'est-ce qu'il y a, Canigou? Oh! Oh, merci! Fuyons! Nick? Cours? Oh! Elle nous a donné le gant d'écorcheur! Faut que j'aille l'améliorer. Alors, aucune créature n'a pas entendu les dangers.
Oui, donc ça on l'a bien vu, hein, c'est pour ça que j'avais fui. Alors il y a une super skin, chers amis, mais il faut que je fasse. Encore une fois, c'est dans le mode où il y a toutes les skins du jeu qui sont refaites. Une super skin d'écorcheur, mais qui fout limite les boules à la alien, vous savez. Vous savez quoi ? Depuis notre conversation, je me sens en pleine forme. Ouais, nous deux. Faudra peut-être que je télécharge, mais j'ai pas envie de télécharger bout par bout. Donc. Pareil pour l'avenir. Tu peux te casser, s'il te plaît ? Casse-toi. Non, sérieusement ? Ah putain. Hop. Hey. Mais non. J'aimerais sortir, merci. Oula, je suis full. Je suis pas full inventaire, pas possible. Oh, la gueule. Hop. Ils m'ont pas dit grand chose. Dégage. Chez Voltec. Juste de m'assurer que tout le monde... Donc, les décors, j'ai aucune amélioration. Griffe supplémentaire. J'étais censé gagner un jeu de coups. Oh la vache, 61. On va l'appeler. Je sais plus s'il y a deux R. Je crois pas. Ah, j'aimerais. Hop. Je peux pas la voir, mince. J'aimerais l'examiner parce qu'elle doit être sublime. Commence à avoir des armes de corps à corps qui sont intéressantes. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais. Waouh. Ça doit faire mal, hein. Ce sont les miliciens qui vous envoient ? Ah oui, c'est vrai. Qu'est-ce qui se passe ? Oui, je viens vous aider. Des pillards nous persécutent. Ils prennent notre nourriture, notre matériel. On sait d'où ils viennent. Station. Hop. Je vais voir. Encore des pillards ? On vous remercie. Station. C'est censé être où ça ? Ah, ils sont là. Ok, bah on y va. Alors. Hop, et ce sera la dernière chose qu'on fera dans cet épisode, je pense, chers amis. Hop. Ce qui n'est pas trop mal, mais il faudra que je me renseigne absolument. Là, dans la journée, il faut que je me renseigne vis-à-vis de cette quête. What ? Cran d'arrêt, génial. Bon. Oh, je passe pas. Hop. Où c'est que vous êtes, les gars ? Allez, j'ai trouvé le passage. Alors, on s'éclate ? Hein ? Moi, je pourrais faire. Ok, salut. Ils sont pas à l'intérieur quand même. Blabla, j'arrive pas à passer, c'est chiant. On va mettre un petit coup d'éclairage, on va peut-être pouvoir y voir un peu mieux. C'est pas vrai. Hop les, ça prendra. Je crois qu'on est pas seul. What the fuck? Je les ai perdus. Alors. Maintenant, fini de rire. Un truc bizarre là-bas. Des ratopes. Et vous les voyez pas ? Ménage est fait. Hop. Donc faut aller à l'intérieur. Ils sont là quelque part. On va y aller. Alors. Waouh. On se calme, l'ami. J'ai déjà fait ce truc là. C'est verrouillé par terminal. Faux. Comment j'ai pu oublier ça ? C'est quoi ce bordel ? Hop, c'était pas une lumière, c'est faux. Hein ? J'entends quelque chose. Qu'est-ce que... Hop, hello.
Hey. Crac. Quoi? Ça va être vite fait. Hop. On va s'éclater. Prends-toi. Hop. J'ai pas pris ce que je voulais prendre, c'est dommage. Ok. Porte déverrouillée novice, mais elle était déjà verrouillée celle-là. Hop. C'est bon. J'ai l'impression de voir un chef d'orchestre à l'œuvre. What the fuck? Quand on parle... Oh la gueule! Oh le gros insecte! C'est quoi ça? Oh! Ils embêteront plus personne maintenant. Bon, pas besoin de se planquer maintenant. Maintenant c'est bourrage. Hop. Et j'ai pas eu le... l'indication comme quoi j'avais... Wow. Ça m'embête. Attendez, on va regarder quand même sur les quêtes. Ah bah si, c'est bon, je l'ai eu. Parfait. Oula, oui, j'aurais dû désamorcer ça aussi. Attention, tout que ça rapporte des choses sympas. Hop là. Alors. Ça c'est fait. What the fuck? Ah, ça pète hein, comme lumière, remarque. Hein. C'est très. Et sans transpirer une goutte. C'est raté surtout. Remarquez, c'est pas comme si c'est... Un légendaire encore. C'était possible. Ah merde, je suis complètement plein. Canigou. Attention. En matière de fanatisme. Toi, tu vas porter des choses, tu vas arrêter de te plaindre. Non mais oh. Tiens, prends le démonte-neuf. Prends le. Le tuyau de plomb et le cran d'arrêt. Et de puissance de feu. Ok. Bon, bah on va se laisser là, les amis. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la pouce vériser, la commenter, la partager, vous abonner. Rejoindre le groupe Steam Joueurs de la Playroom dont vous pouvez retrouver le lien dans la bannière de la chaîne. N'hésitez pas à cliquer dans le descriptif de l'épisode vers mon partenaire GamesPlanet.com qui m'a gracieusement offert le jeu Fallout 4. Donc Mad Max, mais aussi Star Wars Battlefront. Encore une fois, merci à eux et merci à vous de votre fidélité à la chaîne. C'était Marcus Benus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures. Salut les gens. Et yop.